Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Pour pouvoir profiter pleinement du voyage que nous propose Star Citizen, il faut pouvoir partager cette aventure avec ses amis. Et nous allons justement parler de partage de missions. À la 3.7, vous aurez enfin la possibilité de partager les objectifs et les récompenses d'une mission avec vos amis. Le détenteur de la mission ne sera donc plus obligé d'être le pilote. Cela veut aussi dire que les développeurs pourront créer des missions plus complexes et plus en profondeur. Il n'y a pas que les récompenses qui seront partagées, puisque les missions impacteront les réputations de tout le monde. Si l'un de vos coéquipiers est criminel et que vous faites une bonne action, il en bénéficiera, mais le contraire est aussi valable. En parlant de criminalité, vos actes auront de nouvelles conséquences à la prochaine mise à jour, car les zones d'atterrissage majeures telles que Port Olisar ou leur ville ne vous autoriseront plus à atterrir si vous êtes un criminel recherché. Si vraiment vous le souhaitez, vous pourrez tout de même vous poser sans demander la permission, mais votre vaisseau ne sera pas stocké et vous ne vous y réveillerez pas après une déconnexion. D'autres zones seront moins regardantes, comme les restops ou Levski, qui vous permettront d'atterrir jusqu'au niveau 3. Et enfin, les plus tolérantes, comme Grimex, vous laisseront vous poser même au niveau 5 de criminalité. D'ailleurs, si vous veniez à atteindre ce niveau, vous débloquerez un tout nouveau type de mission où il vous sera demandé de combattre la Navy. Vous devrez donc traquer les vaisseaux de l'Empire pendant que vous serez vous-même pourchassé. Ces changements ont été effectués suite au retour des joueurs, mais aussi pour pousser les joueurs criminels à être toujours sur le qui-vive et apporter plus de dynamique. Ce type de mission sera l'occasion parfaite pour tester le partage de missions au vu de sa difficulté. Si vous n'êtes pas criminel mais que vous vous retrouvez un jour en face de l'un d'eux, sans être à l'abri dans votre vaisseau, vous aurez sûrement besoin d'une arme, seule garante de votre survie. Et grâce aux nouveaux accessoires qui feront prochainement leur apparition, vous pourrez plus que jamais personnaliser vos armes. Jusqu'à maintenant, nous n'avions que la possibilité d'ajouter des viseurs, mais il sera dorénavant possible d'ajouter des compensateurs, qui existent, comme tous les autres accessoires, en trois tailles différentes. La plus petite étant réservée aux armes de poing et aux armes de type SMG. La taille 2, quant à elle, plus adaptée pour les fusils de taille moyenne et les snipers. Et pour finir, la plus grande taille est usitée pour les armes à dispersion. Ceux que vous voyez à l'écran sont réservés aux armes balistiques. Pour les armes à énergie, il faudra prendre leur équivalent dédié à ce type d'arme. Il en va de même pour les silencieux qui sont eux aussi spécifiques à chaque type d'arme. Et pour finir avec le canon, vous pourrez également acheter des cache-flammes. Concernant le reste de l'arme, un laser et une lampe torche ont été créés. Même si les viseurs nous étaient déjà connus, ils ont été améliorés et deux nouvelles variantes ont été ajoutées. La torche que vous ajouterez sur votre arme sera avant tout une lampe tactique vous permettant d'aveugler l'ennemi au besoin ou de tirer sur une cible distante. Le suppresseur, quant à lui, est pour l'instant principalement un effet audio, mais de nouveaux sons seront créés pour chaque arme. This weapon and all the other weapons in fact will have brand new audio for the suppressor firing sounds. Toujours dans les armes, un nouveau fabricant nommé Adobe Gunworks accompagnera les nouveautés de la 3.7. avec le Salvo Frag Pistol. Son calibre sera équivalent à celui du Koda et aura un comportement similaire. Mais il possède une particularité qui est de pouvoir faire une charge, malgré qu'il soit balistique. Pour ce faire, un liquide réfrigérant est injecté dans la chambre du pistolet, et au moment de tirer, deux marteaux viennent éjecter le projectile, ce qui transforme le Salvo en une arme à dispersion. Tout ce que vous êtes en train de voir est en cours de finition, et donc encore susceptible de changer d'ici la 3.7. Le système de customisation actuel peut être parfois perturbant, et les pourcentages ne sont pas toujours très clairs. C'est pour cela que de nombreux changements ont été effectués dans la version 2. Dorénavant, vous choisirez un visage de base dont vous changerez chaque détail au fur et à mesure. Une fois une zone de visage sélectionnée, vous n'aurez plus qu'à choisir celle qui vous plaît le plus parmi tous les visages disponibles, et vous n'aurez plus qu'à utiliser un curseur pour mélanger selon vos goûts les attributs. Tout cela devrait rendre le processus beaucoup plus intuitif. Pour en finir avec les nouvelles de la semaine, il ne sera plus nécessaire de courir après les crédits pour vous procurer un vaisseau dans le jeu, puisqu'il sera désormais possible de louer un vaisseau allant d'une durée de 1 jour à 30 jours. Le système d'assurance fonctionnera de la même manière que pour les vaisseaux que vous possédez, donc pas d'inquiétude si votre vaisseau est volé ou détruit. Une fois la période terminée, le vaisseau vous sera retiré. La durée de location s'exprime en temps réel. Cela veut dire que si vous louez le vaisseau pour une journée et que vous ne jouez pas, le vaisseau ne sera plus disponible à votre retour. Voilà pour toutes les nouveautés de cet épisode, mais la 3.7 a encore beaucoup plus à nous offrir. Chose qui vous fera découvrir en jeu puisqu'il n'y aura plus d'Inside jusqu'au 24 octobre. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien.
Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pourboire sur Tipeee ou regarder les pubs sur Utip. Vous pouvez également vous rendre sur Discord ou bien sur Twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.